Bienvenue dans Tout Bansheim de la MBC et bienvenue dans l'émission Nos Racines. C'est une tradition chaque début d'année qui nous commence avec une émission Sega typique. En tous les cas, tout d'abord, mon business souhaite zot, et ça c'est de ma part avec l'équipe Sega du Nord, groupe Sega du Nord, nous souhaitons une très bonne année 2021 et nous souhaitons le meilleur à tout un chacun d'entre vous, sac mauricien. L'année-là, nous-mêmes qui fait Ali ça et nous pouvons faire Ali meilleur cette année-ci. Sega typique, comme on tout connaît, Sega typique mauricien, l'été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2014. Et aussi Sega Tambour Rodrigue, mes amis. Sega Tambour Rodrigue, lui fin inscrit au patrimoine, pareil, au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis décembre 2017. Donc, aujourd'hui, nous pouvons voyager, nous pouvons faire autres voyager à travers le temps. Parce qu'il y a un Sega typique avec Nouban Ravanier, avec Maravan, avec Tambour, avec Triang. Nous pouvons faire ce voyage-là ensemble. Donc, tout d'abord, je propose un extrait. Un petit Sega de Nelzia Ventre. Nelzia Ventre. Là, mon pédonzot, elle a vraiment un avant-goût, une exclusivité. Et Marc-Lain Antoine, feu Marc-Lain Antoine, lui pour raconte nous qui ça n'a Nelzia Ventre été. Parce que c'est un grand immune dans Sega typique. Tout commencer avec lui, après les restes finis. Yeah.
Maintenant, qui m'a fait propager, moi? M'a fait propager un héritage oral qui m'a gagné avec sa bonhomme vente. La bonhomme vente, tient un grand griot qui connaît le Sega à l'époque même de l'apprentissage. Il tient un petit boy. Ce papa, ce relié à grand-père, tout ça, il raconte moi. Ce relié à grand-père tient encore un esclave, mais proche de la libération. Après la libération, ce papa finit tombe dans apprentissage. 1900, la fin 1800. Oui. Et lui, bonhomme ventre, il est né début 1900. Donc, il tient un garçonnet. Et il trouvait tout ça rouage, comment ça s'est gala, et ce ban de bouche à oreille, de parents aux parents, de fin raconter comment ça s'est gala. À tel point qu'il nous a bien loin dans l'affaire, qui nous a découvert que le Sega, qui nous connaît là, ça même ça Sega qui nous a fait causer Ravan, Maravan, Triang, etc. Non, c'était pas ça au tout début. C'était un instrument malgache qui t'y. Vini, pas vini, mais construit par les Malgaches, les premiers Malgaches qui viennent comme esclaves ici. C'est eux qui construisent eux ben premier l'instrument. Qui, d'ailleurs, dans le livre de Bernardin de Saint-Pierre, il donne un témoignage qu'il y a un esclave besoin de l'instrument, et quand il y explique l'instrument-là, c'est un vali, un instrument malgache. Et il dit ben son mélodieux qu'il entendait, ben chant vraiment. Et ben, romance, qu'il dit à la dent, il considère ça comme les romances. Donc, il n'y a pas une cause Sega là. Sega, pas encore vini. Nous, pas fin commence par Sega, nous commence par autre genre de musique agrémentée, jouée par des instruments cordophones, qui nous tombe dans l'oubli, n'est plus là. Pas conscient.
Anna Lemaître, c'est une des voix typiques qui nous bisait dans ces gars typiques. Il y a dans sa note aiguë là, il y a dans ce qui donne nous l'ambiance de ces gars typiques. Et bien sûr, et tout ça pas faire sans groupe ces gars du Nord. Donc, moi, les autres avec Loana, vous êtes appréciés un petit peu pourri. Me tangale li finale. Me tangale li finale. Me tangale li finale. Me tangale pas pour retourner. Venez-moi.
difficile. Salata, c'est qui me fin prend mon visa complet, ça c'est gala.
Après, badine, badi, fait avec poignet la sande dans la main. Parole maudit à petit là. À quoi toi, maman, finale? Maman, finale, la boutique, sinon, qu'on dégage. Anciennement, avant même que petit frère commence connu à Maurice, il finit connu à partir d'une nuit de Sega qui tient là au monde. Et, mais avant, petit frère, tu peux jouer d'ailleurs. Il tient un piquet dans la SAS, ben mettait à Tchoulé, etc. Il tient et travaille dans la SAS, mais étant ségatier, ben a connu comme santerre, après la chasse, ben ça s'est réuni, et petit frère là amène sur la troupe et fait évoluer, de tamiser, après la SAS. Mais un jour, moi t'ai invité, moi avec ses ébras, nous t'y allé. C'est un fais ce Sega et petit frère, tu fais ce Sega traditionnel avec ce bon enfant, Marlène et tout, sur l'équipe. C'est la première fois qu'ils me trouvent, petit frère, et qu'ils me font ce connaissance au cours de sa soirée dans Sassé. Et là, ce qui m'étonne moi le plus avec lui, sa soirée-là, c'est qu'ils m'ont découvert un boug qu'il y compose sur la place. C'est qu'il y trouvait, ben qu'a permisé, puis boire, puis il cause monsieur un tel, il sent aux autres. Et ben là, naturellement, content comme tout. Et là, moi, je trouve vraiment une affaire assez exceptionnelle. Parce qu'en principe, un compositeur, il besoin d'un plume, un papier. En plus, ça va une composition sur place spontanément. Y aller. L'an demain, il n'y a pas pour moi une même affaire, mais c'est ça qui est intéressant. Pas moi tout seul, fin de remarque ça. Un paquet bonhomme Toussaint qui est trop sorti, il n'est pas capable de dire quoi, qui est frère. C'était un bouc qui compose
spontanément. Vous allez dire que la voix de Marc-Laine Antoine, ça donne nous un frisson. Parce que Marc-Laine, tout passe à travers lui. L'histoire nous séga. Il amène ça dans ce disson. Il fait sortir ça pendant des années. Marc-Laine, aujourd'hui, nous peut offrir à toi un cadeau. Tu peux écouter une bonne composition, chanteuse principale, groupe Ségaléno, Marie-Gladys Lamy, sans lit, n'a pas pour une assez gâtipi. Donc, PCR par Marie-Gladys Lamy.